Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire, si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à faire le 00225 01 08 02 31. J'attire l'attention des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont hors du pays pour leur dire que nous, ce matin, avons traversé une période de turbulence qui est toujours causée par le PDCI et le RDR. Donc, il faut que j'attire votre attention. Parce que le PDC et le RDR, ils ont congélé le pouvoir. Et le RDP qu'ils ont créé, celui qui a beaucoup bénéficié du RDP, c'est Henri Konabidi, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il a dit même, Chodo Mabitouakeuse, qui est aussi membre du RDP, eh bien, il n'a pas bénéficié beaucoup du RDP. Même l'autre, comment tu appelles, le gars de MFA, là, il n'a pas eu assez de choses au sein de MFA, au sein de comment tu appelles, Adaki. Anaki n'a pas trop bénéficié du RHDP, alors qu'ils ont toujours contribué à créer le RHDP. Et celui qui a bénéficié du RHDP, c'est Henri Konabidi. Quand il voit tout ce qu'il a reçu, l'avion personnel, l'avion présidentiel, tout, il en a bénéficié. Mais aujourd'hui, ils se mettent d'accord pour se séparer. Le PDCI refuse d'aller en RHDP avant les présidentielles avec le RDR. Ça, c'est leur choix, on leur conseille cela. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Avant cela, Alassane Ouattara et Henri Konabidi se sont bien attendus. Ils ont fait une réunion où Ouattara a proposé comme candidat du PDCI d'un camp et comme vice-président, comment dire, Soro Guillaume. Et ça n'a pas plu à Bédé, lui, il n'a pas accepté cela. Et ce débat a été fait en France. Et arrivé ici en Côte d'Ivoire, ils ont peaufiné cela. Mais Bédé n'était pas d'accord que Ouattara propose le candidat du PDCI. Lui, il peut le dire à Ouattara directement que non, laisse-nous choisir notre candidat, au lieu que toi-même tu proposes notre candidat. Donc dans le fichier, dans l'appartement de Ouattara, le président sera Duncan, le vice-président Guillaume Soro. Parce que Soro Guillaume, il est encore jeune, on se dit quoi? Il peut encore profiter pendant 5 ans, un peu de l'expérience, pour se hisser un peu à notre niveau et occuper la place présidentielle. Et ça c'est la réflexion de la Saint Ouattara. Et Bédé n'a pas voulu. Bédé, lui, dans sa proposition, il propose lui-même d'abord comme président, ou alors Nyanye Kona, le monsieur qui était ancien inspecteur général d'État, qui était Daoukoula. Voilà l'homme que Bédé propose à défaut de lui-même. Donc ça fait qu'entre les deux, le courant ne passe plus. Donc comme ça, Bédé refuse maintenant d'accompagner le RDR. Le RDR a fait toute sa politique autour du PDCI. Et du coup, aujourd'hui, le RDR est seul dans son coin. Il se sent vraiment abandonné. Il se sent trahi alors qu'il n'y a pas de trahison. Mais sur le terrain, le RDR a eu du recul. Parce qu'ils ont laissé seul le PDCI occuper le terrain. Et c'est ça. Et puis, des comportements qui ont eu lieu au temps du bureau politique du PDCI, ce n'est pas du tout joli. Ce n'est pas joli d'ailleurs huiller des gens comme les Dekan, huiller des gens comme les Dibi, huiller des gens comme les Janou Aoussou, huiller des gens comme les Patrick Hachi. Parce que c'est ce même comportement, huiller des gens, c'est ça qui a fait que le RDR a été créé. Car le PDCI de Bédé a eu Guinée Kobina, voilà comment le RDR a été créé à travers Guinée Kobina par Babo Laura. Et c'est ça. Donc il faut éviter chaque fois de crier un peu, des choses qui détruit le PDCI. Et c'est ça qui est une réalité. On peut me dire, oui, Dekan n'a pas trop d'assises politiques, n'a pas une bonne base. Oui, c'est vrai. Dekan n'a pas assez de base parce qu'il n'est pas trop politique, il n'a pas trop de clubs de soutien, non. Mais les gens comme les Dibi, les gens comme les Janou Aoussou, les gens comme les Patrick Hachi, ils ont des bases. Et c'est comme ça qu'après le bureau politique, Dekan est allé trouver la Saint Ouattara afin de lui remettre sa démission du poste de vice-président, et puis aller au PDCI, remettre sa démission au PDCI. Parce qu'il n'a pas pu accepter qu'il soit hué, humilié, et il s'est dit quoi? Il est vice-président au nom du PDCI. Si le PDCI n'accompagne plus le RDR, bon, lui, il abandonne. C'est ça, Ouattara qui lui a dit non, reste toujours tranquille, reste à ton poste, allons-y. Émergence, doyo, émergence, doyo, émergence, doyo.